Bonjour à tous, ce match, c'est de la passion, c'est un choc, ce sont deux géants du foot français. Bienvenue dans le stade de Wembley à Londres, Grégoire Margotour et Darren Tillet pour vous commenter le match aujourd'hui. Oui, bonjour Grégoire, bonjour à vous tous, je suis ravi d'être parmi vous. ...1993 sera toujours une année à part pour Marseille. Cette année-là, l'OM fut le premier club français à remporter l'UEFA Champions League contre le Milan AC. Après une si longue attente, le public phocéen était enfin récompensé. Et regardons maintenant les deux compositions. Ayou.
On a presque atteint la demi-heure de jeu. Menez. Un ballon sur l'aile. Un ballon devant la cage. Et il est là pour dégager. Et maintenant Thiago Motta. Il peut frapper. Il était bien placé, belle intervention. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Morel, il a choisi de jouer long. Changement de jeu. Azpilicueta. Et un nouveau joueur va faire son entrée sur le terrain. Azpilicueta. Il s'est retrouvé sans solution, aucun mouvement, aucun soutien autour de lui. Il joue dans la profondeur. Ibrahimovic. Oui, il était bien placé, belle intervention. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Matuidi maintenant. Maxwell. Oh, il prend de la vitesse sur l'aile. Et pour le gardien, tranquille. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Benoît Chiroux maintenant. Pris de vitesse sur ce coup. Ibrahimovic. Et ce ballon, il va remonter très vite. Pas de hors-jeu, il y va. Allez, ça peut faire mal. On peut y aller. Oh, le but. Et ouverture du score pour le PSG. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Ça fait 1-0. Les grands joueurs font toujours la différence. Il a encore prouvé sur ce coup-là. Ballon intercepté. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. S'il joue avec autant d'enthousiasme en deuxième mi-temps, eh bien, on va se régaler. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Et ballon intercepté. Très bien exécuté. Il doit jouer vers l'avant. Remonte le ballon. Le ballon a franchi la ligne. Et ce ballon vers la surface. C'est bon, le danger est repoussé. Et ça peut être dangereux sur ce contre. Astoré maintenant. Quel bon timing sur cette interception. Oh, c'est bien vu, il a mis le pied sur le ballon. Et alors, ils ont vraiment un mal fou à se procurer des occasions, non? J'allais. L'avait dit. Ibrahimovic maintenant. Oh, la grosse occasion! Oh non, c'est récupéré. Amalfitano. Valbuena.
c'est perdu. Voilà un corner et la pression qui augmente. Un centre. Un mal foutu à l'eau. Jallet. Matuidi. Il tente de la jouer dans l'espace. Ibrahimovic. Il fallait aller plus vite sur cette action. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. Maxwell. Il est sur le côté. Et défensivement, c'est parfait. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Il tente sa chance de loin. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt. Point sec. Benoît Chiroux maintenant. Il n'a pas pris sa décision assez vite et ça a laissé du temps à la défense. Alex. Et maintenant Thiago Motta. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Est-ce qu'il va choisir de centrer? Quelle occasion, attention! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Le geste était presque parfait. Il s'en est fallu de peu pour que ça accroche le cadre. Ibrahimovic maintenant. Il peut conclure. Il essaie de louper le gardien. Il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Oh là, clairement, il aurait dû donner 2 buts d'avance à son équipe. Lavezzi maintenant. Morel. On est presque dans le dernier quart d'heure. Lavezzi. Sissoko. Il glisse le ballon en profondeur. Frappé. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Le ballon était parfaitement dosé. Si seulement le tir avait été aussi bien parti. Il choisit de centrer. Quel chevaucher! C'est le moment de centrer. Il va pouvoir frapper. Il voit le carreau se dérober pour quelques centimètres. Oh là là, pas de bonne, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Pastore. Amdiara maintenant. Ils ont toujours le ballon. Ouais, quel bon geste défensif là. Lavezzi maintenant. Thiago Silva. Sissoko maintenant. Pas bien donné. Il trouve du soutien. Oh, ça peut être intéressant. Il est seul, il peut frapper. Il faut se serrer les coudes, être solidaire. Encore quelques minutes et c'est in the pocket. Alex maintenant. Ils ont toujours le ballon. Ibrahimovic maintenant. Ibrahimovic, c'est trop dans la tribune. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Oh, qu'il est loin. Oh, pourtant la passe.
c'était parfaite. L'ouverture était magnifique, ça méritait mieux. Attention au centre. Attention, le danger toujours là sur son ballon, il l'a récupéré. Sissoko maintenant. Matuidi dans le dos de la défense. Balbuena. Bien maintenant. Sissoko maintenant. Pastore maintenant. C'est fini. Le coup de sifflet de l'arbitre. C'est fini dans cette rencontre. Splendide. Splendide ce match. Certes, on aurait aimé plus de buts, mais à l'arrivée.